Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le corbeau a mauvaise réputation, et ce depuis l'Antiquité grecque. Sa couleur noire, sa capacité à imiter les sons émis par d'autres animaux dont les humains, ou encore ses habitudes de charognard, l'ont symboliquement inscrit du côté obscur de nos représentations. Pourtant, dans la mythologie nordique, il est l'envoyé d'Odin, celui qui apporte protection, régénération et bonnes énergies. Faut-il en déduire que le corbeau n'a une histoire avec un grand H qu'en vertu du regard que l'être humain pose sur lui? Les animaux ont-ils une histoire à part entière ou ne sont-ils que coexistants à notre manière de les percevoir? Dans les années 1970, Frans de Waal, primatologue et éthologue néerlandais, part en Afrique, à l'est de l'Ouganda, étudier les populations d'éléphants. Il y effectue le test du miroir. Il s'agit de marquer le front de l'animal d'une tache peinte et de l'observer face à un miroir. L'éléphant essaie de retirer la tache. La conclusion est simple. L'éléphant a conscience de lui-même. D'autres mammifères, bien sûr, peuvent effectuer ce même type de test, comme les singes, par exemple. S'ils ont conscience d'eux-mêmes, c'est donc qu'ils sont sujets, et par conséquent, sujets d'action. À cette époque, des groupes d'éléphants barrent les routes où circulent les véhicules. Ce phénomène attire son attention, car il est inédit et ne peut être expliqué par une quelconque compétition pour l'alimentation. En étudiant de plus près le groupe, il se rend compte qu'il s'agit essentiellement de jeunes éléphants, où les adultes sont absents. Pour le chercheur, aucun doute, il s'agit d'une génération d'adolescents délinquants, ayant subi des traumas dus au braconnage des 20 dernières années, qui a complètement délité la structure sociale dans laquelle ils subsistaient auparavant. Ainsi, leur coexistence avec les humains a modifié leur propre histoire. L'homme, par sa peur de l'inconnu, a sans cesse rationalisé le monde qui l'entourait. Il a ainsi hiérarchisé et classifié le monde animal de manière à ordonnancer le réel. Ainsi, ce que nous appelons nature est mis hors d'atteinte par la rationalité de nos représentations, ce qui rend impossible d'envisager une part active et intentionnelle des animaux dans notre histoire commune. De Darwin et de sa théorie de l'évolution basée sur le malthusianisme, où la population animale évolue en fonction de son accès à la nourriture, ou encore la vision de Kropotkin, où la surpopulation n'existe pas en Sibérie et où la compétition est remplacée par la solidarité, nous montre à quel point l'homme, qui étudie, ne peut entièrement se séparer de ce qu'il est. Effectivement, Darwin vivait en pleine industrialisation, alors que Kropotkin, anarchiste, ne pouvait concevoir la nature dans un ordonnancement de prédation. Quoi qu'il en soit, l'animal a d'abord servi d'origine à l'être humain. L'évolution du singe a permis de raconter notre propre histoire, notre propre évolution. L'animal apparaît ainsi comme une figure altérée, un précurseur à notre humanité. Dans les années 70, l'étude des babouins les définit comme fortement hiérarchisés, relativement violents et en conflit permanent. Pourtant, lorsque les chercheuses Thelma Rowell et Shirley Stroom s'emparent de l'étude, elles élaborent une toute autre théorie où le babouin est capable de jeux subtils et n'entre pas directement en conflit. Elles constatent finalement que cette hiérarchie décrite n'est que le travail de chercheurs hommes ayant d'ores et déjà une vision bien établie de la hiérarchie humaine. Le tournant qu'elles vont prendre va modifier l'angle de recherche. Elles vont observer ce qui intéresse les babouins et ce qui fait sens pour eux, permettant aux animaux de se raconter. Dès lors, elles comprennent que les babouins sont bien plus mobilisés par les relations amicales
que belliqueuse. Après l'animal ancêtre, l'homme a étudié l'animal modèle. Harry Harlow, psychologue américain des années 70, a souhaité étudier l'isolement social chez de jeunes macaques rhésus pour prouver le besoin vital de l'attachement. En utilisant de multiples singes, il perçoit les marques du désespoir et de la dépression. Le désespoir semblait moindre lorsqu'ils étaient en présence d'un leurre en chiffon doux que lorsqu'ils se trouvaient en présence d'un mannequin en fil de fer, dispensateur de lait. Avions-nous besoin de telles expériences ? Déjà, le psychiatre Bowlby avait observé au cours de la Seconde Guerre mondiale le même comportement chez des enfants isolés. Finalement, il était déjà enrôlé dans un problème institutionnel où seule la preuve scientifique vaut comme savoir. Pourtant, nous savons tous pertinemment que l'animal transforme l'humain. De multiples métaphores existent pour nous confondre avec l'animal. Manger comme un cochon, malin comme un singe, ou encore une mémoire d'éléphant. Pourtant, encore une fois, il peut s'agir de représentations. Le cochon peut avoir un grand souci d'hygiène corporelle, comme l'organisation des loups contredit le proverbe « l'homme est un loup pour l'homme ». Les animaux sont au quotidien et de tout temps une source d'inspiration pour les humains. Les Indiens Navajos ont commencé à utiliser une plante de la famille des Apiacées, le Ligusticum, après avoir observé les ours mâcher les racines, avant de s'en enduire la fourrure. Après analyse, il s'avère qu'elle est composée d'une molécule permettant de traiter les maladies de peau, les troubles cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Même chose après une bataille de chimpanzés observée en Ouganda, où le blessé consomma des feuilles de Ficus exasperata, chose qu'il ne pratiquait jamais, et qui, quelques jours plus tard, avait soigné sa blessure. Effectivement, la plante contient un antibiotique découvert en laboratoire. Les exemples sont nombreux sur l'usage et les connaissances que les animaux nous apportent. Alors pourquoi est-il si difficile de faire histoire avec les animaux ? Au temps de la Grèce archaïque, la notion de métis était très importante et s'appliquait tant aux humains qu'aux animaux. Selon Jean-Pierre Vernant, historien et anthropologue spécialiste de la Grèce antique, il s'agit d'une forme d'intelligence et de pensée, un mode du connaître. Elle implique un ensemble complexe, mais très cohérent, d'attitudes mentales, de comportements intellectuels, qui combine le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité, des habiletés diverses, une expérience longuement acquise. La métisse unissait ainsi les dieux, les simples mortels ou encore les animaux, dont deux sont emblématiques, le renard et le poulpe. Le premier pour sa capacité à feindre la mort lorsqu'il s'approche d'un troupeau de proies, et le second pour avoir un comportement typiquement humain en livrant de lui-même un aspect différent et adapté. Ainsi, la métisse se déploie comme l'intelligence des pièges et des leurres pour ceux qui n'ont reçu ni force ni arme des dieux. Ainsi, l'homme chasseur ou pêcheur doit développer ses qualités par une fine observation de sa proie pour atteindre son degré de métisse. Mais bien plus que l'apprentissage de techniques, il s'agit de devenir avec les animaux. Chose qui aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, a complètement disparu. Pour de nouveau comprendre l'animal, il est intéressant d'utiliser la théorie de l'Umwelt, c'est-à-dire le monde vécu par l'animal qui représente non la cause d'un comportement, mais la signification de ce comportement pour l'animal. Jacob Johann von Uexküll est un biologiste et philosophe allemand et l'un des pionniers de l'éthologie avant Konrad Lorenz. Il est celui qui a mis sur pied cette théorie. Par exemple, lorsqu'une sauterelle reste immobile devant un crapaud, de notre point de vue, il semblerait logique qu'elle essaie de s'enfuir. Pourtant, elle n'en fait rien. Tout simplement parce qu'immobile, elle est imperceptible par le crapaud qui ne peut percevoir que le mouvement. Cela signifie que ce comportement est intégré à la sauterelle dans son monde de perception. De même, un papillon femelle ayant laissé une empreinte olfactive à un endroit aura beau s'agiter un peu plus loin d'un papillon mâle, celui-ci se rendra à l'endroit où l'empreinte est restée.
Aussi, la signification pour l'animal doit être comprise dans la relation qu'il entretient avec le monde, puisque toute signification que l'animal construit autour de lui devient son univers perceptif, voire une extension sensible de lui-même, comme l'explique l'anthropologue Philippe Descola, faisant par la même occasion de lui un sujet dans cet entrelac de signification. Un dernier exemple, une tique. Celle-ci est sourde et aveugle. Son monde est donc relativement simple et limité. Elle attend simplement sa proie. Son humouette témoigne d'une extrême patience, comme constaté en laboratoire avec une attente de 18 ans. Le signal qui va la mettre en action nous est imperceptible. Il s'agit de l'acide butyrique, dégagé par tous les mammifères dont le sang chaud dégage cette odeur. Elle se laisse tomber sur sa proie, sans la chaleur, l'odeur du sang et le contact tactile des poils, et voilà sa place dans son monde. Finalement, chaque animal a son univers propre de signification qui nous échappe fortement. Pourtant, nous devons aujourd'hui nous donner la peine de comprendre l'humouette des animaux. Nous ne pouvons pas seulement protéger les animaux avec qui nous souhaitons vivre, comme les grands mammifères symboliques, le tigre, le panda ou encore l'éléphant, ou même simplement choyer les animaux que nous considérons comme domestiques. Chaque espèce a sa propre histoire dans les écosystèmes, et nous savons aujourd'hui qu'ils sont menacés par notre prédation. Nous devons retrouver la métisse grecque qui nous liait auparavant, parce que par leurs histoires, ils enrichissent la nôtre au quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.